Bon, départ bah, dans toi, 4, Maria. 3, 2, 1. Bon courage. GLA chef, Mary. Je vais te fumer. Who are you? Your best teammate. Remember it. Exclusion de du côté de Doka Ibis. Je vais vous faire un cast de ouf. Exclusion intelligente du côté de Nano. Néanmoins, il ne connaît pas son adversaire. En 7 ans, il ne joue pas du tout Blitz. D'ailleurs, à l'heure actuelle, à mon avis, Mary doit bien rigoler parce qu'il doit se dire qu'il ne le connaît absolument pas du tout. En revanche, Rook est le seul opérateur que Mary sait jouer et qu'il a joué pendant 7 ans. Et ça, c'est plutôt intelligent. On a visiblement travaillé du côté de Nano. Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher 6-4? Ah ouais, franchement. Et là, un petit ban de Azami serait pas mal. Mais je pense que Mary est débile. Il va enlever Fenrir, ce qui n'est pas mal. Il suit la méta du moment. Et Fenrir, effectivement, a été utilisé le 27 juin 2023 par Nano. Et il l'avait utilisé, comme d'habitude, hein, comme une merde. Et c'est parti, Yana, du côté de Nano. On va vouloir jouer sur de la verticalité positive, forcément. Et de l'autre côté, Rook n'étant pas là, on décide de prendre Doc. Hein. Et nous allons avoir, du coup, un bomb site sécurisation de zone qui va se situer au niveau du gaming. Bah, qui est vraiment, tout simplement, le pire des endroits. Mary, qui, en revanche, intelligemment, va commencer à créer des petits clubs. Et l'insertion de la part de Nano, on va très probablement aller droner, si on n'est pas trop con, ce salon. Un drone qui est un peu loin, hein. Attention à ne pas avoir trop de distance entre la position du drone et sa propre position. L'information, elle est prise et on perd le premier drone. Intelligemment de la part de Mary, cette porte, elle va être assez chiante. On ne l'avait pas pris l'information du côté de Nano, vous voyez. On a donc perdu clairement un drone pour rien. Dans ce premier échange, eh bien, c'est Mary qui mène. Merde, attends mes touches. Je peux pas changer d'arme. Pas de commentaires, s'il vous plaît. Messieurs. Vous pouvez pas changer d'arme. Et le bait de la part de Mary. Le bait de la part de Mary qui a démuté et qui a dit « Je pouvais pas changer d'arme !» Alors qu'en fait, il pouvait très bien changer d'arme. Quel gros fils de p***. Et on va aller voir la réaction du côté de Nano. Et Nano, croyez-moi, je suis un fin psychologue. Et là, on a la pression. On boit, mais c'est des petites lampées. On le sent derrière qu'il a une pression énorme. On va essayer de prendre du rhum. On va essayer derrière de dédramatiser les choses. Mais on le voit derrière. On a la pâteuse. On sent bien derrière que les poumons sont un petit peu atrophiés. Nano flippe sa race. Et vous le voyez sur le visage de cette personne qui ressemble quand même pas mal à un clodo. Que derrière, eh bien, il le sait. S'il perd contre Mary, il perd contre la personne considérée dans la communauté française comme étant le pire joueur de jeux vidéo de l'histoire de l'humanité. Ah, la caméra qui a visiblement bougé du côté de Mary. Et Nano, on a pris Azami. Et c'est intelligent. Jackal, pourquoi pas? On va prendre l'information qu'il n'y a personne sur site. On ne sait pas où il est. Et là, du coup, on va commencer à faire des erreurs. Du côté de Mary, tel un labrador, on va rentrer à un endroit auquel on n'aurait jamais dû rentrer. On a droné de l'autre côté de la map. Et c'est là la capacité intellectuelle de Mary. J'ai droné de l'autre côté de la map, je n'ai pris aucune information, ça me permet donc de rentrer à une fenêtre par laquelle je n'avais pas du tout réussi à lancer un drone en n'ayant aucune information sur ce qui se passait dans la pièce dans laquelle je vais rentrer. Et ça, c'est incroyable. Un duel au sommet, hein, entre deux joueurs totalement nuls à chier. Ah là, tu vois, ça m'excite. Il est pas master, je vais donc rentrer kids, se dit le labrador. Je suis content que vous voyez un petit peu. Attention, s'il y a bien un truc que Nano sait maîtriser et que Mary ne sait pas maîtriser, c'est les grenades sur la verticalité. Alors du coup, du côté de Nano, on va rester là. Dans quelques secondes, on va commencer à droner. On va prendre la formation et on va s'assurer que la personne soit sur le site au-dessus. On a mis le premier drone qui nous permet d'avoir l'information sur le site et le deuxième drone nous permet d'entrer dans la première case. On est inséré, ce qui est exceptionnel pour ce genre de joueur. Oh, on vient de perdre son premier ami. Alors on va redroner. Attention à ça. La problématique, c'est que maintenant, si on perd le drone, bah on n'en a plus. Et le chemin est encore long jusqu'au mob site. Donc soit on arrive à mettre cette grenade, et dans ce cas-là, c'est incroyable, soit on n'arrive pas à mettre la grenade. Mais visiblement, Nano, con comme un cactus, passe à côté d'un capcan obèse à 1 cm de lui. Derrière, anticipation est totalement raté. Il était à l'autre côté de la map. Je vais donc envoyer une grenade au niveau du lit. Et là, j'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai vu ça dans une vidéo de 6-4. Zut. Je casse la cam. Oh, je tombe sur quelqu'un. Je tire dessus. Je suis énervé. Bien joué. Et je dis bien joué. Toute la pression là.
du côté de la Suisse. Et on se gratte le nez, forcément, comme Cyril Hanouna. Ils vont me détester quand ils vont regarder la vidéo. Oh, Nanon, eh, on le sait, c'est un très très bon joueur à l'oreille sur la verticalité. On l'a vu tout à l'heure avec les grenades. Oh, dès qu'on joue sur le C4... Oh, Mary, au duel de gadget. Ouh. Oh, très bon placement. Placement horrible. Le C4 qui arrive. Oh, bien ouais, je l'ai. Merci. Bien ouais, je le C4. Écoutez-les, c'est mignon, c'est trop mignon. Ah, ouais, bien ouais, bien joué. Franchement, c'est pas mal. Ah, c'est le meilleur match que j'ai jamais vu de ma vie. Peut-être va-t-il vouloir balancer une grenade. Mais de toute façon, Merin s'y attend pas du tout. Ouh, peut-être par là, ouais. Et pourquoi pas, je veux dire, bon. Oh, Mary s'était rapproché. Il a dit, qu'est-ce que c'est ça? Telle une poule dans la basse-cour. 37 secondes, on a une bonne maîtrise du timer. Bonne insertion de la part de Nano qui va casser une fenêtre. Ouh là là. Non, mais non. En fait, on a tellement les mêmes idées de merde qu'on sait exactement où est l'un l'autre. Putain, c'est un truc de dingue, quoi. Ça me saoule de donner raison aussi. Il faut que j'arrive à être sérieux. Ah, je suis un fils de... Ah, je vais pas y arriver. Faut que je me débite. Tout le monde aime le match en tout cas. Ouais, bien sûr. Non, sérieux. C'est le pire match que j'ai vu de toute ma vie. Et je vais vous le faire avec l'accent de Al Roman. Hein? Allez, Mary, chaque au pic. Ouh. Oh, je suis sur le site. Et c'est pas droite, gauche. Derrière, c'est un beau duel, hein. Situational awareness. Nano qui va pusher. Nano, il va pusher sur le rideau. Il le sait. Oh, la tête de Nano. Et c'est le 3-3. Et abonnez-vous pour les prochains Salty Duel au moins, putain. Et ça, si vous voulez des vrais Salty Duel 3v3, et je vous jure, et prochain Salty Duel, je fais en sorte que Nano et Mary jouent ensemble. Allez, Nano qui va droner peut-être. Allez, 2 minutes, les mecs, ils savent pas où ils sont. Et tiens, un bière par là. Il l'a vu? Il l'a vu ou pas? Tu l'as vu le trou ou quoi, fils de... Bah oui, ça c'est toi! Tu viens de te trouver! Ah bah bravo! Il l'a vu! Ah! Vite! Go! Push sur le site! Push sur le site! Push sur le site! Gauche! Droite! Te prends pas dans la rambarde! Vite! Push sur le site, fils de... Push! Mais il est pas là! Il peut pas être là, fils de... Ok! T'es tout seul! Fais pas de bruit! Fais pas de bruit! Fais pas de bruit! Arrête de bouger, fils de... Arrête! Chut! Psst! Ah si, il était à droite! Il l'a vu! Oh! Mais je lui mets là! C'est abusé! Ah non, franchement, t'étais au moins à 4 mètres au-dessus. Oh la chatte! Putain, c'est super tendu, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y en a un, il se bat pour son honneur, l'autre il bat pour 250€. Ce qui est à peu près l'équivalent. Vous voyez, c'est à peu près le montant de son honneur en fait. Hein. C'est un match de Pro League. On entend du un bruit. Bah, au cas où, il sortirait vu que c'est une Nazami qui s'est. Oh là là! Ça, elle est belle. Ça a bien joué, ouais. Oh non, je te rate quoi. Ah, franchement, 250€, je me remets les aisselles. Je vous l'avais dit, ce duel, attention. À la fin, j'avais dit 70-30 pour Nano. En vrai, Nano, il est vraiment bourré, en revanche. Et en vrai, Mary, j'avais oublié sa capacité à être très sérieux quand il y a de l'argent en jeu. Alors, il peut pas se concentrer pendant un BO3, mais pendant une demi-heure, il peut te donner un truc de ouf. Genre, vraiment, vraiment. Non, il sait qu'il peut pas être sur site parce qu'autrement, ça caperait pas. Allez, dis-moi qu'il le sait. T'as pas besoin d'ouvrir ta ligne, fils de... Derrière Nano, tel un gardon, il se dit 9 secondes, faudrait peut-être que je fasse quelque chose, parce que j'ai rien de branlé depuis une heure. Derrière on ouvre, c'est bien pour Nano. C'est bien pour... Incroyable. Non mais le stress. Alors que pas du tout en fait. J'ai envie de le revendre. Ah. On va réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Je vais bouger là-bas. Peut-être ligne, pourquoi pas. La flash de Mary qui a envie d'y aller rapidement. Oh, l'ouverture, elle est magnifique. Oh, la petite ligne. Ah, il a pas pris de ligne en fait. Il est sur une ligne cassée. Ce qui est relativement intelligent. De la part de Nano. Oh là, c'est nul ça. Oh, cette ouverture de ligne, elle pue la merde. Mary qui a envie de flasher un kayak. Et lui par la même occasion. Et derrière, le crosshair placement est toujours au niveau de l'orteil. Du côté de Nano. Et on sait qu'il est à gauche. Et du coup, on pourrait à la limite faire une flash rebond à droite. Peut-être faire un petit shake au pic, pusher à droite.
Et là, ça pourrait être sympa. Oh, on est blanc, et derrière, on va capitaliser là-dessus. On le sait qu'il est rentré, on le sait qu'il est rentré, on le sait qu'il est juste là. Mais derrière, Mary, il a tout fermé. Il le sait qu'il est à gauche, lui sait qu'il est à droite, lui sait qu'il est à gauche, lui sait qu'il est à droite, lui sait qu'il est à droite, lui sait qu'il est à gauche. Bordel de merde, ça va durer pendant 2 heures parce qu'il y en a aucun des deux. Lui, il a envie de garder son honneur, lui, il a envie de garder 250 euros. Honneur, 250 euros. Honneur, 250 euros. Honneur, 250 euros. Non, la vie de ma mère, j'y vais pas. Non, toi, non. Oh, il bouge. Ah, allez, on a tout raté. Oh, le C4. Pip, pip, pip. On se remplace. Oh, c'est bien joué. Oh, bien joué, ça. Oh, c'est bien joué, ça. Je chiale. Ah ouais, je chiale. Fois, ma tête, elle dépasse. Ah, je chiale. Bien joué. La décision identique à la seconde près. Ils n'avaient pas bougé, etc. Leur cerveau s'est connecté à la même seconde. Mais je vous le dis, ils sont, je suis sûr et certain, ils sont frères, ils sont cousins. Ils sont cousins, les mecs. Mary, il va mettre des visions là. Pourquoi pas là, en plein milieu, histoire de maximiser la possibilité que le mec puisse tourner autour. Hein. Comme ça, il le voit bien et il peut passer par cet endroit qui n'est pas du tout un passing. Ah là, c'est pas mal. Oh, one ou deux. Tape. Oh, le lésion, intelligent. Mais derrière, on l'a vu et on l'a cassé. Ça, c'est intelligent des deux côtés. Et on va droner. Ou pas. On sait pas, en fait. Il s'est rendu compte qu'il appuyait sur les touches et il n'y en avait plus. Eh ben merde, il y a deux croix en bas. Alors derrière, on va faire ce chèque. Hein. Oh là là. Ah là là, et on tire tout dans le mur. Et le truc, c'est Splatoon. Hein. Et on en met autant dans le mur que... Oh. Non, mais t'as combien de balles, putain. Tu as combien de balles? Ah bah je pense que c'est 100% d'un chargeur. Je dois pas le perdre ce duel, putain de merde. Balle de match. Ah, ça c'est toujours pareil. Mary qui regarde si le mec ne peut pas se déguiser en papier peigne. Peut pas, ça existe pas encore le mec qui se déguise en papier peigne. Du coup, il vient de le voir sur site et il va chercher son teammate. Et il s'aperçoit que c'est un VN, eh oui, c'est un VN, donc du coup, il n'y a pas de timomètre. Qu'est-ce que je suis gang? Et pourquoi je continue de droner? Oh, cette fenêtre-là, elle en c'est le là, bah du coup, bah parce que j'ai droné, et je sais qu'il y a personne. Je vais redroner, au cas où la Azami qui a... c'est Azami pour bloquer la porte. Eh, impeccable. Ouh, attention, on a pris la formation, c'est peut-être le duel de la fin. Eh non, il y a un camembert. Ouh, derrière, attention, grille de lock pour empêcher la rotation d'un joueur très mécanique. Ah, ça va être compliqué. Mais Mary, il sait pas, il voit des trous, il balance. Oh, peut-être que ça va aider. Et pré-shot. What a shot. Oh, et le yep qui dépasse. C'est un test. Et 50 secondes. Ah, tête. Ah, et c'est le 6 à 6. Le 6 à 6, les amis. Overtime. Aïe, 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 aïe. Il est content, il est content, il est content. Et il se dit, bon, mon honneur est pas tout à fait morte. Voilà quoi. De l'autre côté, mais du coup, du côté de Mary, forcément, on rit jaune. Ouais, on le voit bien. On le voit bien, 250 euros, c'est quand même 4 mois de chiffre d'affaires. Donc, bon, quelque part. Allez, c'est parti. Allez, derrière, je vais les booster un peu. Attendez, 2 secondes. Ce match est ouf. Ta gueule, toi. Vie ça, de ça, ma ça, mère. J'ai pas été dans le troll depuis tout à l'heure. Ce match est ouf, les mecs. On va aller voir la VOD. Ouais, bah, non, putain, non, regardez, non, 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 non. Je vous jure. Allez, let's go. Bon courage. Je suis le pire des fils de... Et ça me fait trop plaisir. Ah, j'adore ça. Ils vont aller regarder la VOD. Ils sont sûrs en plus. Ils se disent, ah, franchement, il y a peut-être une chance. Tout le monde se fout de leur gueule et c'est ça qu'on aime. Du côté de Mary, on a pris Ying. Avec un ACOG, hein, toujours. Un beau gros ACOG. Ta mère sur un 1v1. C'est hyper important pour prendre des lignes de 16 mètres sur house. Ouh, attention. Attention. Et on l'a pingé. On l'a pingé. Elle. Et derrière, orteil contre orteil. Oh là là. Et là, ça va être compliqué. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'était intelligent. Regardez. J'ai vu ta chatte là-bas. Ouh, on ne perd pas le drone. Et très bon. Et Rocket League. Et Mary derrière. Ouh, qui va aller roamer. Attention. Attention à ça. Attention. Oh, et le timing.
What? Ah non, pas le timing. Enano, du coup, il a bien pris la formation. Il sait que le mec, il est sur la map, en fait. Parce qu'il n'est pas du tout rentré à l'endroit où il a pris la formation. Donc, du coup, il prend une information. C'est bon, il est là-bas. Et du coup, après, je suis en full face check. Allez, le crosshair placement. Eh ouais, bah oui, on va le mettre là-bas au cas où il serait passé dans l'escamine que t'as regardé 2 minutes avant. Le derrière, magnifique, hein. Magnifique, regardez bien. Regardez bien la grenade, elle était parfaite, pile en dessous du lit, c'est-à-dire elle aurait jamais fait de dégâts à qui que ce soit de toute façon. Si le mec était sur le site, derrière ça va se jouer là, ça va se jouer là-dessus. Est-ce que là non? Oh non, 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 mais non, d'où tu me vois? Mais j'ai le plus beau match de l'histoire du match. Je t'ai entendu, je t'ai pas vu. C'est le plus putain, beau match de l'histoire de Rainbow Six. Oh, je l'avais tellement dans ma langue. Oh, pourquoi j'ai jeté la vue? C'est le plus beau match de l'histoire de Rainbow Six qu'on est en train de vivre. Il a chié. Putain. Dernière round. Bon courage. Non. Oh la Kavera. Oh Kavera. On lui a donné beaucoup de confiance dans son équipe et dans les derniers solitaires duels. On lui a dit, tu vois Kavera, fils de... Tu la reprends plus jamais. Et du coup, là, il se dit, tiens, hey, si je prenais Kavera et je faisais des trous à droite et peut-être à gauche en ouvrant des grandes lignes sur une arme du coup qui ne me permet pas du coup de venir rivaliser avec l'arme d'en face. Oh attention, le punch hole, ça peut se jouer là-dessus. L'agression de la part de Nano. Et ça s'est teinté, ça s'est teinté. Et Mary, il est du père. Et la caméra, elle est où? Elle est où la cam? On attend. Elle a bougé. Ah si. Je me rappelle qu'à cet angle-là, tout à l'heure, j'avais vu qu'elle était là-bas. Donc je vais me remettre à l'endroit sur lequel j'avais... J'arrive à me mettre à leur place. L'empathie de... Oh, la vache. Allez, derrière, on va droner sur le site. Alors, au niveau de la douche, à droite, là, il y avait un truc, mais on s'en fout. Derrière l'armoire, on s'en fout. Le closet, on fait 20% du closet. Donc, on drone pour dire qu'on a droné, hein. Franchement, on s'en bat. Peut-être qu'il est là à droite il pouvait se cacher, mais on s'en fout, derrière le sofa, on s'en fout, à gauche dans le closet. On s'en fout. On drone, vas-y, bats les couilles, de toute façon le drone, ça m'a toujours saoulé. Du coup, j'y vais. Je regarde une fenêtre qui est de toute façon verrouillée, qui sert à rien, et je vais redroner par ici. Hein. De toute façon, je suis un gros joueur de drone. Allez, je vais prendre une information qui sert à rien, hein, puisque c'est le même endroit que j'avais mis mon drone de tout à l'heure. Je viens de perdre 1 minute 12 de plus, et je vais refaire le truc, mais dans l'autre sens. Je m'aperçois qu'il y a des chibis. Oh, c'est mignon. Et derrière, je vais redroner. Bah, regardez, il y a 2 drones. Du coup, si je tombe sur mon drone, c'est que j'ai droné jusqu'ici. Ah, derrière, je vais essayer de passer par cette porte. Merde, c'est pas une porte. Et du coup, je vais double punch à cet endroit. Les drones n'ont servi à rien. J'y vais, je porte mes bolts. Et derrière, c'est le gars de l'anneau. Oh, putain. Je suis désolé, Marie. Je suis vraiment désolé. J'ai jamais vu des joueurs aussi nuls. GG. C'était le plus beau match des soldats duels que j'ai jamais vu. 8-7. Vous êtes incroyables. Oh là 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 là. Non, ça jouait bien. C'était le plus beau match que j'ai jamais vu. On est monté à 600 viewers. C'est incroyable. Ah, je suis vénère sur mon dernier move, il est horrible. Je suis vénère. Ah non, c'était bien la joué. Franchement, vous avez bien joué. La Kavera, je ne savais pas où elle était. C'était une catastrophe. Pourtant, t'as bien droné. À droite de l'escalier, on était sûr qu'il n'était pas là, quoi. Qu'il y avait les 2 drones. Putain. Il était pas là. S'il y avait eu 3 drones. Il était pas à droite, il y avait 2 drones. Il était pas là. Ça, on en était sûr. Et j'ai bien regardé. Par contre, tous ceux qui ont pensé que j'allais perdre, je vous sens. Oui, je et vous puis en... t'as gagné. Hey, bien profond. Là, et puis t'as gagné vraiment. Et 6-0. Les grenades sur la verticalité étaient quand même big scène. Du coup, pendant que l'autre il est en train de faire de la pub, ce fils de... Attends, 2 secondes, Mary, 2 secondes. On refait voir ou pas? Comme ça, on voit plus rien, je l'ai mis à l'envers. Allez, c'est parti, hein. Tu sais écrire. De ma part quand même. Nano, arrête de te vénérer. Et l'autre, il va en... Tout le chat, il a cru que c'était le bar PMU. Et toi, et Jean-Claude, c'est ton... Il est parti. Non, est-ce que vous pouvez vous concentrer sur Rainbow Six? C'est tout mon principe, faut arriver. Mais vous allez arrêter d'insulter tout le monde. Vous avez vu à quel point c'est les mêmes? Ils sont en train au même moment de fumer une clope. Ils reviennent au même moment. Ils font les mêmes moves. Ils ont les mêmes casques. Ils ont la même casquette. Ils ont la même beubar. Ils jouent de la même façon. Ils ont fait 8-7. Et là, ils sont en train de se prendre la gueule au même moment avec les viewers. Les mecs, si je vous le dis à quel point c'est des fucking jumeaux. Je lance. J'en ai plus rien à foutre. J'ai faim. Il est minuit 16. Je m'en bats les...
moins 37. Arrête de faire ça, toi, avec ton truc, là. Non, pas sur kick. Fils de... Vas-y, on voit rien. Bon, tu lances, là, le monsieur, je casse. Ouais, bah c'est parti. Have fun. Ok. Il a mis avion. Ah bon? T'as raison, c'est avion. Regarde, t'as raison. C'est avion, tu vois un avion, là? Tu vois un avion? Tu vois un avion là ou pas? Il y a marqué avion. Il y a marqué avion. Ok, d'accord. Bah regarde, maintenant c'est marqué house en haut à droite. Donc tu fermes ta... En attaque, quoi. C'est de nouveau tour en attaque, ça change tous les rounds, donc ta race. Ouais, tu vas pas nous faire chier non plus. Commence en défense, hein, c'est un avantage. Oh, bah non, c'est du 1v1, fils de... ma mère, elle t'a rien fait, hein. Non, mais faut qu'on en parle d'ailleurs, parce que j'aimerais bien que... Allez, du coup... Merci Subcorp. Attention, on va entendre, attention. 3, 2, 1... Ah mais ça aussi, j'ai une clope électronique, mais je l'ai oublié en haut. Ouais, vous êtes les mêmes, donc de toute façon, sauf qu'il y en a un qui boit plus d'alcool. Autrement, ça c'est à peu près la même chose. Ouais, mais l'alcool, ça aide. Ouais. Je vois ça. Mais là, t'as vu la visée, 8-7, je l'ai mise profonde, je t'en... Allez. 250 balles, mais rien. À quel moment tu arrives à dire, je t'ai enculé une personne contre qui t'as gagné avec la plus petite différence de score? Non, il me disait ça en 98. Putain, fait chier, j'ai perdu en 3-7 à mon père après 3 heures de match, hein, où j'étais au bout de ma vie. 3-7 ou 7-3? 3-7. Non, mais 3-7 de tennis. Maintenant, écoute. Et puis, il me disait, tu sais, Steph, t'aurais eu meilleur temps de perdre 6-0, 6-0. Steph, attends, Steph, c'est toi? Ah oui, d'accord, Steph. Ok. Ouais, il t'appelait Steph, ton père? Il m'appelait Steph, ouais. Ok. Allez, du coup, on peut y aller? C'est-à-dire que là, on va voir le plus grand cast de toute la Belgique. Hein. C'est un solide duel de qualité qualitative qu'on va avoir maintenant entre Mary et Nano. Bah, du côté de la chambre, on a vu quelque chose passer au niveau du pipi room. Et derrière, on essaie de faire la macumba, hein, de technique très connue du côté de Namur. Oh, en parlant de mur, oh, il se décale, l'erreur et le décalage de la part de Nano. C'est très bien. Bait. Oh, il lui dit qu'il l'a bait. Il y a un drone. Qu'est-ce que se passe? Et derrière, il l'a dans la ligne la plus connue de Rainbow Six depuis le début du jeu, hein, tout simplement. Alors que de l'autre côté, eh bien, il y a un canard qui vient de nous rejoindre. Alors, c'est Mary qui rigole. Le pire, c'est que cette fenêtre, d'habitude, la check toujours en premier, quoi. Vraiment. Ouais, oh, je check tout le temps. Ouais. Et là, on a le. 250 balles de toute façon. Ah, franchement. Et là, on entend toute. Voilà, ça y est. Toute la mauvaise foi de la part de Mary dès le premier round. Hein, et il perd le premier round. Et derrière, c'est complètement. Nazami. Pourquoi je suis repassé en Marseille vraiment... Alors, c'est reparti. Bon, attention, Mary qui va peut-être tomber. Hein. Il peut peut-être tomber, la flash pour flasher, le leak, rien demandé à personne. Oui, on est en train de proquer, la technique de la croquette. Attention derrière, et Nano il le sait, derrière on va ouvrir peut-être. Non, on décide de faire la macumba et peut-être de se pencher comme ça. Et derrière ça peut durer 7 heures, on s'envoie une grenade dans la gueule, deux grenades, Mary derrière il bouge pas. Il a une flash et il pense que personne ne l'a entendu. Il ouvre la ligne et il meurt comme une allongé. Merde. Oh, bâtard allongé. Mais sérieux, je l'ai même pas entendu s'allonger, wow, quoi. Intelligent, non. On est ras le cul. Ça m'énerve. Oula, de l'autre côté du mot. C'est nul. Tu sais, il faut que tu saches un truc, c'est ta que gueule. Tu bois du rhum. Oh là là. Tu me saoules. Tu deviens bon. Ok. C'est un truc à savoir avec moi. Étant donné que je me suis bientôt tapé la moitié de la bouteille. Laisse-moi t'expliquer à quel point on est tous les deux nuls à chien. Et là, il y a 2-0. Et là, j'ai un excès de confiance. Mary, il apprend à découvrir. Peut-être là, peut-être là. Oh, peut-être là derrière. Ah, je vais le reprendre parce qu'il a pris l'info. Hey. Derrière, on va s'exposer à tous les dangers. Hein, là où on était mort tout à l'heure. Oh, on a vu, ça s'appelle un drone. Oh, oh les moves sont incroyables. Oh! Oh! Mary ne connaît pas ça. What? Qu'est-ce que c'est? Dans son cerveau, ça fait... What? Qu'est-ce que... Il m'a attaqué. Attends, il y a un opérateur qui attaque les planchers maintenant. Drone... Ouh! Au cas où, il décale au même moment qu'on entend le drone. Ah non, c'est pas possible ça non plus. Oh, tout tape. Le fil, le barbelé, on s'en fout. On regarde à droite, à gauche, le crosshair placement. Ici, yeah. Oh, oh. Faut que j'arrête de boire. Ah, tout à l'heure. Moi, 5 verres. Ah, tu vois, je suis à moi. 3 minutes après, il faut que j'arrête de boire. Ouh, il a vu que la caméra était pas rouge. Il va donc en profiter. Alors que Mary va refaire la même technique qu'il n'a jamais réussi depuis le début. On va ouvrir sa ligne. Peut-être qu'on va avoir le droit à un duel.
Et non, on est complètement perdu sur la ligne. On va prendre le temps de droner, de s'apercevoir que 15 seconds remaining. Oh putain, putain, il faut que je sorte du truc. Je sais pas comment enlever le truc. Je sais pas comment l'enlever. Je sais pas comment enlever mon gadget. Il faut que je cours. Vite, vite, on s'en fout. 3 secondes, 2 secondes, j'y vais. Oh, je... Mais sérieux. Oh. Mais c'est une blague. Oh, je suis désolé, Mary. C'est totalement une blague. Comment est-ce que c'est possible? Ça doit jamais passer, ça. Pendant 2 minutes 30, à aucun moment d'avoir un seul move de lucidité. Comment c'est possible d'être aussi con qu'une baguette de paix bien cuite? Eh, c'est pas possible. Eh, on a jamais vu ça. Les va. Oh putain, ils sont trop forts. Let's go, Mary, là. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Quelqu'un est allé lui dire des trucs sur son live ou quoi là, putain? Ouais, c'est ce qu'il y a, hein. Franchement, je trouve ça insupportable. Il arrête pas de se moquer de toi. Je trouve ça pas cool. Je pensais qu'il allait être à don jusqu'au bout. Genre un peu mauvais joueur ou quoi? Il s'est mute, c'est tout. Tu penses? Ah, il est mute, il est mute, il est mute. Il est vraiment mute. Il est à don. Et... Oh, ça part là-bas. Oh, ça part aussi là. Oh, je suis tout blingue. Eh, c'est pas mal, du côté de Mary. Crosshair au niveau du genou, toujours. Et là, t'as un truc à droite. Et derrière, on se relève. Et derrière, et bien, c'est le problème de la coke. Mary derrière se dit... Franchement, j'ai envie d'aller développer... Qu'est-ce que je développe la prochaine fois sur mon serveur? Est-ce que je développe des caleçons ou des slips? Plutôt caleçons, peut-être. Ah, j'ai vraiment envie de développer des caleçons, là. Avec toute mon équipe de développement de 2 personnes sur mon serveur GTA RP. Hein. Je suis vraiment le pire des fils de... Alors qu'il y a 3 jours, je lui envoie un message en disant « Mec, franchement, sache carrément mon meilleur pote. » Mais quoi? Quoi? À quel moment? Comment voulez-vous, les amis? Je l'aime bien, mais à quel moment? Pourquoi là? Pourquoi? Au cas où le gars, il se dit « Eh tiens, je vais aller faire des fléchettes. Eh, je vais aller me mettre là avec Wang, il y a un truc à fléchettes, autant l'utiliser. » Oh ah ouais, bien joué. Je bien pensais joué. Pas que tu m'attendrais là. Je pensais pas que tu m'attendrais sur le site sur lequel j'avais pas du tout droné. Alors que s'il avait arrêté sa phrase à « je pensais pas », là... Bon, Mary, s'il te plaît, m'en veux pas. Vas-y, s'il te plaît, je déteste ça. Il est mute, il est mute, il est mute. Ah, ok. Allez soutenir Mary, s'il vous plaît. Je me fous de sa gueule comme un gros fils de p*** et tout. Ah, dites que au moins je vous ai amené là, parce qu'autrement il va m'en vouloir. Eh, Nano, il refait son truc du... Le fils de... Vous savez que... Tu vois, c'est ce qui s'était passé. Ouais, je sais, je sais. Pour lui, le tableau était tombé. Et moi, le tableau était pas tombé. Donc il y avait rien, en fait. Et il m'a mis un duel. Allez, Mary. Derrière, on a ouvert le T1. Et on va droner. Et là, ce qu'il faudrait faire, c'est pas faire trop de bruit. Ce serait bien. Faut pas sauter avec le drone, hein. On va prendre de la formation. Et pas sauter. Eh, pas sauter, hein. Non, il peut pas être là. Il peut pas se faxer. Et voilà, on a pris l'info et on a perdu le drone du coup. Et qu'est-ce qu'on va faire à balancer? Et le deuxième drone au lieu de sauver le premier au cas où. Du coup, on va reprendre le droning. Et on va reperdre le drone. Les flashs, elles sont envoyées à l'Asbeb. Ah, peut-être qu'il est plus à gauche que la ligne que je l'imaginais pas du tout. On va voir le même duel que tout à l'heure. Eh, le même duel, je pense. Oh, petite flash derrière le C4. Il a peur du C4. Il push sur le Q. Derrière, il prend ses responsabilités. C'est intelligent de la part de Mary. Mais derrière, on louche totalement. Il a fait toutes les lettres de l'alphabet. Le fils derrière le Nano, il a beaucoup de... Oh là, pré-chat à droite, pré-chat à gauche. On est mis sous haute pression. Je sais plus quoi dire, hein, tellement c'est de la merde. Et derrière, on sait pas quoi faire. Et on s'est accroupis tous les deux au cas où il y aurait une ligne, mais il n'y a pas de ligne. Derrière, on attend sur la droite. On reçoit. On reload, pré-shot, droite, gauche, il est peut-être derrière, et peut-être pas en fait. Et là il s'aperçoit que c'est en train de proquer. Derrière. Ah, bien joué. Oh, bien joué, tout était nul à chier, mais bien joué. Hein. Ah, bien joué. Ouh. Je savais pas où t'étais. Ah la vache. Et le mec, hélas, ils sont sur Rainbow Six depuis 2015. Mais Mary très méta derrière. Si vous prenez Doc, regardez les vidéos de Mary sur internet. Il fait des tutos assez simples. Doc, P90,
avec le point vert. Et ben voilà, c'est tout ce qu'il faut pas faire. C'est simple. Donc regardez bien le matos de Mary. C'est le matos qu'il faut pas prendre. Regardez bien les passages, c'est là où il faut pas aller. Et regardez bien les opérateurs, c'est pas les bons. Donc au moins, et ça c'est pas mal. Là, il a pris le combo périscope gendarmerie. Et regarde une fenêtre qui n'est pas cassée. Hein. Ah, peut-être qu'il y a un escalier là-bas. On se dit, au cas où il passerait au niveau de la shower, mais peut-être... Oh, je me rappelle que tout à l'heure, là, il y avait danger. Je vais faire tout le tour. Nano derrière. Lui, il n'est pas venu là pour infiler des perles. Il a toujours envie de faire sa grenade. Hein. C'est la nano, c'est la spéciale. C'est la seule qui réussit une fois sur 70. Hein. Mais bon, c'est déjà pas mal. C'est la meilleure stat d'un joueur suisse. Hein. Ah, derrière, on n'a rien de droné. On sait absolument pas où il est. Et derrière, on va tenter ça. Et s'il la met, peut-être par là, droite, gauche. Le pistolet, peut-être. Ah, c'est pas... par là, il n'y avait rien. On s'assure une fois de plus que le lit est bien, bien mort. Voilà. Là, c'est-à-dire que sur l'intégralité de ce bomb site, c'est le pire des endroits où on peut l'envoyer à la sbub, tu vois. Il y a la probabilité de faire des dégâts, elle est nulle, en fait. Au cas où le mec aurait décidé de s'allonger comme... C'est tellement con, putain. C'est un sketch, c'est un sketch. Oh la vache, oh la vache, y'a rien qui est bon, rien. Y'a rien qui est bon. Le titre de la vidéo, regardez ce duel si vous voulez apprendre à faire tout ce qu'il faut pas faire. Allez derrière, Mary, et ne perd pas une seconde sur le droning. Oula, hop là, on est reparti. Ça se voit, il le fait exprès. C'est ouf ou quoi? Là, je suis sûr et certain d'un truc, ils sont tous les deux à 100%. C'est pas du catch, hein. Allez, Nano qui va remettre les Mélusies au même endroit. Allez Mary, 4 à 3 et 4 à 3. Il nous manquait celle là. Et suicide, je me suicide, tu te suicides, nous nous suicidâmes. Ouh. Oh dommage. Et 100% HP de chaque côté. Ouh. Oh ça, et là ça porte ses balls, eh. Et on a cassé une clavicule. Oh la nomade, et ça c'est intelligent. One tap, 1, 2, 3. Vive à l'Algérie. Oula, Chaco pique. Ah, peut-être la flash pour entrer. Nano, il est perdu. Il l'a vu. Derrière, on va rotate. Et derrière, on n'est pas con. Du côté de Mary, on s'est commencé à bouger. Et le pré-shot qui connecte sur rien du tout. Derrière, c'est compliqué. Ah, oh, ça joue à un pixel. Oh, un pixel du bled quand même. Hein. Oh là, oh, Chaco pique des temps modernes. Décale hipfire. Mowgli serait là. Il serait. Waouh, j'adore. Oh, derrière, on a tout mis au niveau des épaules. Oh, derrière, ça monte bien, on se croirait sur PlayStation, en ta race. Oh, derrière, on prend la faux, mais on capitalise pas dessus. On donne le call à ses teammates. Ah, c'est 1v1. Oh, et on reste là. Derrière Mary, pré-shot, 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 pré-shot. Oh, il y a un truc par terre. Oh là, je le tire dessus et je suis mort. Dommage, beau duel. Ouah, et le placement en plein milieu du salon était quand même bien, je pense. Il aurait pu croire que c'était un canapé, l'autre. Salut 64, me conseille d'acheter la PS5 ou la Xbox X? PC mec, PC ok? T'achètes un fucking PC, t'achètes un fucking bureau. Allez 5-4-3. Trop de rota. Ah là, peut-être là aussi. Je m'assure qu'il soit bien fait. Ah je vais mettre à la lésion par là. Et là du côté de Nano, on est intelligent. Et on a vu, et tout... la palette de l'opérateur. On s'adapte. Lésion, doc, doc, lésion, doc, H. Ouh, Yana, H. Ça, c'est intelligent. Ouh, derrière. La technique des pigeonniers. Ouh, et la petite technique. Le chèque au pic sur l'échelle. Hey, première fois mondiale. Ouh, Mary, pas con. Oh, là, pour le coup, c'est intelligent. Ça, c'est beaucoup plus con, ça. Non, Mary, arrête. Non, arrête les trous de... Parce que tu vas pas voir le drone passer. Le drone va te voir et tu vas avoir l'air con. Ok, il l'entend. Ne faites jamais de punch hole en 1v1, please. Allez, one tap. Ouh, pré-shot tout au niveau de... Oh, de la tête, du clavicule aussi, un petit peu, quand même. Et il passe au fond. Oh. Oh! Oh, et on lui a fait des dégâts, Emery, il porte ses balls, eh.
on pré-shot au niveau de... Au niveau du poster, là, par là. Il a tué la tentacule. Lésion. Eh, malheureusement, celui-là, il va pas servir à grand-chose, mais on sait jamais, hein. On va en remettre un deuxième là-bas, alors qu'on a entendu un rappel, du coup... Ah, c'est pas grave. Oh! Hop là. Double rotation, le flip. Et derrière, Mary, il fait pas de bruit. Et ça, c'est horrible. 22 secondes. Et on va... Là, c'est jusqu'au bout du bout, hein. Il est bloqué. Il est bloqué dans une porte qui n'existe pas. Et on push sur site. On monte au cas où ce serait un lésion qui joue sur la verticalité. Donc, on monte sur le lit. Ah là, je peux pas. Ah, ça me... Ah, je chauffe. Ah la vache, c'est un duel. On dirait Battle Bot. Pourquoi le lit de Taras? Oh non, putain. Siska, t'as quoi comme composante de PC? Alors, j'ai un processeur, une carte mère, une alimentation, un boîtier, une carte graphique et un disque dur. Et voilà, y a pas de quoi. Et derrière, Mélusie, hein. C'est important, les doubles punch, préparer la porte pour une accession et rapide de l'adversaire. Ça, c'est intelligent. Allez, Mary, derrière, il va prendre la formation. Ah, et voilà. Et une, deux, trois, grand max, ok. Bon, de toute façon, le drone, ça me fait chier comme tous les golds, donc je vais pas m'emmerder. J'ai droné qu'il y avait personne en haut, me laissant la possibilité que le mec soit juste là devant moi, à droite, dans mon trou de balle. Mais je m'en fous, j'y vais. J'ai pris 0 FO, si ce n'est celle qui n'est pas au top, rendant plus dangereux mon insertion, mais je m'en sers quand même. Avec, bien évidemment, hein, autrement c'est pas drôle, un crosshair au niveau de... Eh, sur 180 degrés. Ouh, one tap sur la caméra. Et Nano derrière. Nano. Ah ouais. Oh, il est là, il est derrière, il est à droite, il est à gauche, ça va se jouer là. Oh là, c'est magnifique. Oh. Ah, vache, j'ai jamais vu de si près autant de balles utilisées. Match point derrière, eh, c'est compliqué pour Mary. Dans les yeux de Mary, allez le soutenir, la bande de fils de... J'aime bien me moquer seulement si ça va, si ça va pas, c'est pas cool. Allez lui mettre un go Mary là, go Mary là. Oh, et... il essaie de... Oh, double combo dans la cave à vin. Peut-être par là. Oh, et derrière, Amaru. Eh, Amaru, bon opérateur pour prendre un, au top. Sachant que... Eh ben, c'est pas au top. Ben, ça fait chier. Du coup, on va aller à la fenêtre sur laquelle on peut Amaru quand même. Je l'ai déjà fait, c'est très drôle. Oh, la seule fenêtre, on pousse sur le site. On pousse sur le site. Il est sur le site. Ah, oui. Il sait pas qu'il est mort. Derrière. Il le sait pas. Il a trop peur. Il lui balance un truc dans la gueule. Il l'active. Mais non, Mary, pourquoi tu viens pas? Ça m'a cassé les couilles. Non, c'est bon, ça m'a saoulé. Des bisous. Qu'est-ce qu'il y a, Mary? J'ai mal joué, c'est tout. C'est pas grave. Mais t'as pas joué depuis longtemps, frérot, tranquille, c'est bon. Oui, mais c'est chiant. Qui tout triple? Qui tout triple? Mais j'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau. Mais c'est pas une question de niveau. Il y a eu pas de chance, là. 300, Mary. Ça sert à rien, j'ai pas le niveau. Je vais perdre. Je suis pas concentré. Il est là, le truc. Parce que tout à l'heure, t'étais concentré, tu fais 8-7. D'où est-ce que tu dis que t'as pas le niveau? Là, t'as perdu dès le début. T'étais vénère, t'étais gnagnin. T'as fait que de la merde. T'as reste sur site, bouge pas, frérot. J'ai perdu deux fois 250, quoi. Mais si je t'ai dit, hein, que ça allait te mettre mal, hein, si ça allait arriver. Moi, je suis content parce que c'est la première fois que je te vois concentré en 6 ans qu'on se connaît, fils de... Je te propose un truc. 250 si tu gagnes, 100 si tu perds. Moi, je propose. Si gagne, il est minuit 49, si ça vous dérange pas. Non, je vais manger. Non, donc, tu lui laisses même pas l'occasion de gagner 100 euros. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai perdu. C'était le défi. Hein, bon, les poulets, je vous fais des bisous. Des bisous, bye bye tout le monde. Bisous, mais c'était un beau match en tout cas, non vraiment, vraiment. Mais du coup, tu peux pas dire, ah ben on fera pas de 3M ensemble, nanana, hein, petit... Oui, écoute, regarde la VOD sobre et on reparle, et on reparle de tout ça demain. Mary gagnerait 250 euros et moi je gagnerais une vidéo. Bon, il me la ferait à mon avis pas avant 2 ans. Ah, vous voulez refaire House? Ah, Favela, ça peut être marrant. Ok, bon, House. Déjà, House, vous êtes perdu. Ce qui est quand même assez dur de se perdre sur House. Vous arrivez à le faire, donc bon.
Ok. Tu vois, je savais. Je sais que tu te foutais de notre gueule. Non. La vie de ma mère, c'est la première fois que je me moque de vous depuis tout à l'heure. Jure. Ok. T'es sur son stream depuis tout à l'heure? Oui, comment bah tu oui. Sais tout ça? Ah oui. Non, mais là, je viens de le Non, franchement, je vais juste vous dire un truc. S'il y a bien un truc dont je suis absolument sûr, c'est qu'il y en avait aucun de vous deux qui cheatait. Alors, ça, c'est génial. Ça, on en était certains. N'oubliez pas d'aller liker et commenter les vidéos. C'est ce qui permet de payer les monteurs. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Cette vidéo-là, bien évidemment, elle va forcément sortir sur la chaîne. Nom de Dieu.